Bonjour à tous YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis actuellement à Bordeaux, voilà, pendant les prochains mois où je vais me concentrer sur les montages vidéo, la Calédonie et bien sûr toujours des conseils sur l'Australie, sur la Nouvelle-Zélande et de nombreux projets. Donc voilà, restez connectés. Je travaille sur de nombreux projets en parallèle. Alors j'aimerais savoir un petit peu qui vous êtes, parce que vous êtes certains abonnés, vous êtes assez actifs plus ou moins. Donc c'est vrai que sur cette chaîne, ça manque un petit peu d'interaction en termes de commentaires, donc n'hésitez pas à vous présenter. Présenter, c'est-à-dire parler de votre projet, pourquoi vous êtes abonné sur ma chaîne, qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme contenu, pour comment je peux m'améliorer. En fait, voilà, on peut débattre là-dessus et c'est comme ça que je vais pouvoir m'améliorer. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, comme ça on va pouvoir faire connaissance. Et surtout, si vous passez sur Bordeaux, ce sera l'occasion de se rencontrer. Parce que maintenant je suis plus basé sur Paris, hein, voilà pour ceux qui ont suivi, mais c'est normal que vous soyez pas forcément au courant. Donc n'hésitez pas à réagir, vous, avec votre pseudo YouTube, vous mettez un petit commentaire et ce sera la meilleure façon que je puisse vous aider. Si vous avez besoin d'aide pour votre projet Australie, on peut en discuter. Si vous partez en Nouvelle-Calédonie, j'ai fait quasiment 6 mois, on peut en discuter. La Nouvelle-Zélande, bah, j'y suis resté plusieurs mois à 2 reprises, donc je connais, j'ai fait les 2 îles. Et si vous voulez aussi parler d'auto-entrepreneuriat, de blogging, on est sur la même thématique. Car en fait, aujourd'hui, on est une quinzaine maximum en France de vivre d'un blog voyage. Donc on peut aussi parler de ça en toute façon naturelle. Voilà. Donc n'hésitez pas à réagir et surtout à vous présenter. Car je sais que j'ai des vues sur mes vidéos. Voilà, j'ai en moyenne une centaine de vues pour chaque vidéo. C'est plutôt très bien. Mais ça manque de commentaires. Alors il y a des gens qui sont actifs. Je ne vais pas faire de dédicace dans cette vidéo, mais ça manque d'interaction. Et c'est comme ça que je vais pouvoir m'améliorer. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et surtout, présentez-vous. Ça va me permettre de savoir un petit peu votre besoin. Qu'est-ce que vous attendez vraiment de moi? Est-ce que je suis vraiment à la hauteur? Comment je vais faire pour atteindre mes 10 000 abonnés sur YouTube? Parce que atteindre 10 000 abonnés sur YouTube, il y a encore la marche est longue. Je vous rappelle, j'ai besoin de 10 000 abonnés pour la formation Netflix, qui est une formation YouTubeur à tendance professionnelle. Donc voilà. Donc il y a plein de choses en fait que je suis entre les deux, on va dire aujourd'hui. Je me suis bien développé en 2016 avec 1500 abonnés. Donc on était en 4 ans, j'ai eu que 1500 abonnés. En 2017, je suis revenu avec 3000 abonnés. Alors, en 2018, j'ai 6000 abonnés. Donc vous l'avez compris, l'objectif de 2019, c'est de faire 12 000 abonnés. Ça va pas être facile, je vous le garantis. Un abonné sur YouTube, c'est très cher, c'est très dur. C'est pas comme un like sur Instagram ou un follower sur Facebook ou un membre sur les groupes. Un abonné sur YouTube, si un jour vous créez une chaîne, il faut aller chercher vraiment. Donc voilà, écoutez, bonne journée les amis. Ici il fait beau en tout cas et on se retrouve à très bientôt pour des prochaines vidéos. Salut les amis!